écoutez la première il est 18h15 vous vous intéressez à la politique et ce qui se passe notamment au conseil régional vous restez avec nous vendredi dernier il montait pour la première fois sur la partie en viaduc de la nouvelle route du littoral du haut de cet impressionnant ouvrage au-dessus des flots il a promis que le chantier avançait en mode accéléré tout en reconnaissant qu'il serait en retard sur le calendrier initial. Où en est-on de ce chantier Comment construire une digue alors que les carrières n'ont toujours pas les autorisations d'ouverture Converti à l'écologie, au point de ne plus vouloir des incinérateurs, comment envisage-t-il aujourd'hui le traitement des déchets, la fin du charbon ou du fioul Il a quitté les Républicains et rompu avec Michel Fontaine, mais ne s'est pas officiellement mis en marche, même s'il semble de plus en plus Macron-compatible. Nous lui demanderons où il en est avec la droite réunionnaise. Nous lui demanderons également qu'elle réforme constitutionnelle il souhaite pour la Réunion, Didier Robert, président du conseil régional de La Réunion, est l'invité de Lundi Politique. Sur la première, une émission que vous pouvez suivre en vidéo sur notre site internet. Lundi Politique, Gaël Le Dantec. Didier Robert, bonsoir. Bonsoir, Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous sortez d'une oui. longue réunion euh, cet après-midi, une réunion qui s'inscrit dans cette euh, actualité du chantier de la nouvelle route du littoral. Vous dites que c'est toujours d'actualité depuis que vous avez été élu, mais quand même, voilà, ça, en ce moment, on en parle, on en parle pas mal. Vous avez donc une rencontre cet après-midi avec les acteurs du BTP, avec les transporteurs. Ils sont inquiets parce que le transport des Andins serait en baisse, parce que la modification du schéma départemental des carrières a été annulée. On va faire le point si vous oubliez, sur mm -hmm. ces différents points, mais d'abord cette réunion, ça s'est bien passé. Est-ce qu'il faut être inquiet de mouvements sociaux dans les, dans les semaines, dans les mois qui viennent, ou est-ce que vous avez rassuré tout le monde Non, je ne pense pas. On a, on a une réunion qui a été cet après-midi euh, constructive, consensuelle, euh, directe aussi, parce que effectivement, je crois que euh, tout, tout le monde a besoin de savoir exactement où on en est, comment les choses se déroulent. Et donc j'ai fixé depuis le départ la volonté d'être dans une dans une démarche de, de transparence, d'une démarche de clarification sur tous ces sujets, et donc cette réunion en, en fait naturellement partie. Euh, donc euh, si, si on prend les, les différents points, la poursuite de l'enlèvement des Andins. Euh, pourrait-elle euh, doit doit-elle être continuée là sans souci sans problème ou est-ce qu'on arrive à la fin de cette période euh, alors on va si enlever je... les les cailloux dans les champs pour expliquer aux gens ce que c'est que les enduits tout monde le monde ne connaît pas d'abord quelques mots aussi, si vous me permettez on, on, on est effectivement une phase du chantier qui est euh, assez euh, assez importante euh, et, et qui se voit donc euh, particulièrement visuelle aussi bien euh, en ce qui concerne le, le, le viaduc aujourd'hui que que toute la partie voilà. que toute la partie qui concerne les, 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 les digues. dire peut-être aux, aux auditeurs donc, de réunion première ce soir que en ce qui concerne le, le viaduc donc nous allons euh, vraisemblablement les entreprises notamment vont poser euh, la dernière pile d'ici la fin de cette année que le tablier sera complètement réalisé et donc avec une jonction euh, sur Saint-Denis d'ici fin 2000, euh, 2019 et avec ensuite tous les aménagements qu'il faudra, faudra faire donc on est vraiment sur cette partie-là euh, de manière encore très fortement visuelle en mode accéléré et puis sur l'autre partie ce qui concerne les digues euh, il faut savoir aussi que sur 12 km de digues au total, enfin de, de, de route au total, pardon. Euh, il reste à, à réaliser donc 2,7 km donc entre la Grande Chaloupe et, et, et la Possession. On va, on va reparler justement de cette partie-là parce que c'est peut-être celle qui pose le plus de problèmes. Sur mm -hmm. la partie que vous avez décrite, vous, direz, vous disiez en 2020, peut-être, elle pourrait euh, être terminée entre euh, la Grande Chaloupe et, et, et Saint-Denis. Est-ce qu'il y a euh, toujours cette éventualité qui a été évoquée qu'on puisse rouler sur cette partie-là avant que la fin soit terminée ou, S ou pas Soyons clairs là aussi. Euh, L'objectif que nous poursuivons, c'est effectivement de faire une route faire... en entier. Bien mais est-ce qu'en attendant que la partie digue soit faite, est-ce qu'on envisage éventuellement de rouler sur cette partie-là Écoutez, même s'il y a, même y a un, un, un retard qui a pu être pris aujourd'hui, un seulement sur la partie donc, euh, digue, notamment en, en termes de l'approvisionnement, puisque euh, la, la carrière euh, le, le principale qui devait être ouverte cette année ne le sera que l'année prochaine. Donc il y a effectivement un décalage de ce point de vue. Et donc tout ça nous, euh, nous oblige finalement, euh, et oblige aussi... Le, le, le groupement, les entreprises à réfléchir différemment et à apporter d'autres solutions. Mais c'est toute la, toute la, tout l'intérêt finalement de ce chantier, c'est de pouvoir progressivement amener des solutions. Je vous rappelle, par ouais, exemple, concrètement. Voilà, Si vous pouvez y répondre à cette question-là, est-ce qu'il est, qu est envisageable de rouler sur cette demi-route avant de, qu'elle soit terminée Il n'y a pas il n'y aura pas de demi-route. Non, non, mais, mais même si elle est provisoire. Non, il n'y a pas il n'y aura, 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 aura pas de demi-route. Ce ne sera pas possible de rouler sur cette partie entre la Grande Chaloupe et Saint-Denis, si, si de me... toute façon, tant qu'elle ne sera pas entièrement terminée. Si vous me permettez, je, je termine. L'objectif, évidemment, ce n'est pas d'avoir une demi-route l'objectif, c'est de pouvoir avoir un ouvrage complet qui parte de Saint-Denis jusqu'à la possession, donc sur ces 12 km. Euh, et ensuite, nous avons un cadencement à trouver. Le, ce que nous essayons de faire maintenant, à partir d'aujourd'hui, c'est de faire en sorte que euh, le retard qui a pu être euh, accumulé à un certain moment puisse être en partie au moins rattrapé et que nous soyons dans une logique qui permette à un moment d'être le plus proche possible entre la livraison euh, viaduc et la livraison des digues, puisque c'est encore une fois un ouvrage d'ensemble et un ouvrage complet dont il s'agit. Ensuite, si. Euh, pour des raisons que l'on ignore aujourd'hui, il devait y avoir un décalage trop important entre la livraison des différentes parties et que les usagers continuaient à utiliser l'actuelle route du littoral. Donc, non sécurisé, alors qu'il y a euh, à proximité une partie importante qui pourrait, pourrait l'être utilisée. Donc, il est évident que nous nous poserions la question à ce moment-là, pour, pour tout simplement une question de bon sens. Mais, encore une fois, je le dis de manière très claire et très solennelle. Donc, nous sommes sur un programme qui a été défini donc, dès 2010, qui a été posé, donc, euh, la première pierre, pour laquelle la première pierre a été posée en 2013, qui est celle de la réalisation d'une route complète, donc, viaduc et Digue entre la Possession euh, et Saint-Denis. Et, Saint et c'est ce programme-là que nous menons à terme. Euh, la... Donc là, on va faire avec des andins pour l'instant, pour la partie digne. C'est ce que l'on qu de de fait droges, depuis voilà. plusieurs mois déjà. Et on, et on va continuer. Est-ce que ça pose un souci Est-ce qu'il y a un risque que à force d'enlever des andins dans les champs, on ait un problème d'écoulement d'eau, un problème de coulée de boue supplémentaire Est-ce que, est -ce que cette partie-là vous inquiète éventuellement Alors d'abord, si vous me permettez, je, je voudrais vraiment saluer et remercier l'ensemble des agriculteurs qui ont accepté effectivement que nous soyons dans cette démarche. Et aujourd'hui, Grâce à, cette, à ce prélèvement' donc dans les, sur les terres agricoles, nous avons pu bien sûr approvisionner le chantier mais également dégager plus d'une centaine d'hectares, d'après les chiffres qui m'ont été fournis, plus d'une centaine d'hectares de terres agricoles qui, euh, faute des pirages, ne pouvaient pas être euh, donc, euh, exploitées par les agriculteurs. Donc c'est un, un élément très positif également qui doit être pris en compte dans le cadre de ce chantier. L'impact ensuite donc, du prélèvement des andins, je peux vous assurer que les services de l'État et en particulier les services de l'adeal sont extrêmement rigoureux et c'est normal. Qu'il le soit, pour euh, bien valider euh, dossier par dossier, euh, dos, euh, euh, surface agricole par surface agricole, ce qui doit être prélevé, comment cela doit être fait. Et donc, tout ce qui a été validé finalement dans le cadre de ce qu'on appelle aujourd'hui le protocole andin, donc euh, qui engage la responsabilité. Qui concerne de, à peu de, près de de 2, 2 millions de tonnes, c'est ça À peu près. Donc, mais tout cela, donc toute cette partie-là est, est aujourd'hui euh, scrupuleusement euh, surveillée et euh, nous sommes dans une démarche qui, qui, qui est une démarche la plus respectueuse aussi. Alors, bien sûr. Ces Andins ne suffiront pas pour construire cette, Bien sûr. cette digue. C'est pour ça qu'il y a des carrières qui doivent euh, ouvrir la Cour d'appel du tribunal administratif de Bordeaux, donc annuler la modification du schéma départemental des carrières qui prévoyait l'exploitation euh, de quatre carrières pour approvisionner donc, cette, cette partie digue. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire il faut, recommencer, euh, il faut recommencer la procédure Il faut passer outre en disant, bah, après tout, euh, que, comme c'est un, un, un projet d'intérêt général, peut-être qu'on peut passer outre le schéma départemental non, Quelle nous, est votre lecture, non, vous, de cette il de de situation en aucun cas, Il ne s'agit en aucun cas de passer outre, quoi que ce soit. Nous sommes dans un pays de droit. Euh, comme le droit est des euh, interprétable, voilà. Non, 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 non. Nous sommes dans un pays de droit. Oui. Euh, il est évident que le, ce chantier, comme n'importe quel autre chantier, n'importe quel autre, bon doit être effectivement euh, reposé sur dans le cadre effectivement de ce qu'il est admis par la législation, par la réglementation et euh, par la jurisprudence lorsque les tribunaux ont à se prononcer sur le sujet. Euh, en ce qui concerne donc euh, la carrière de Bois Blanc, vous avez effectivement une procédure, schéma des carrières qui a été examinée par la Cour administrative d'appel de Bordeaux. Qui a donné ses conclusions et puis parallèlement vous avez d'autres procédures, une autre procédure en tout cas qui est engagée dans le cadre effectivement du programme d'intérêt général avec une enquête publique qui va démarrer sur l'exploitation de la carrière de bois blanc et donc nous sommes aujourd'hui dans cette démarche là je veux le dire et je veux non, mais alors, de... attendez, attendez, concrètement ça veut dire quoi concrètement ça veut dire cette annulation de la modification du schéma départemental ne remet en aucune manière en question donc, donc euh... on peut continuer sans schéma Bien sûr, vous avez aujourd'hui. C'est en fait, ce que je dis, ça. On peut passer ah, outre. Mais non, vous avez, mais non, vous n'avez pas que le schéma qui compte. Vous avez un schéma qui compte, vous avez le programme, le, le PLU des communes qui est également à prendre en considération, vous avez le schéma d'aménagement régional qui est à prendre en considération. C'est-à-dire qu'on peut ouvrir une carrière aujourd'hui matière... sans sans qu'elle soit inscrite dans le, carrière, dans le, dans le vrai schéma des C'est vrai que la matière est sensible, la matière est complexe. Mais pour effectivement résumer, vous avez une procédure aujourd'hui, schéma des carrières, qui a été engagée, pour laquelle il y a des interrogations qui ont été fixées. Par le, la que des à donc il faudra, ouais. il faudra à ce moment là, sur un certain nombre de points, et notamment sur la question de, de l'impact environnemental, qui est donc à nouveau des éléments qui soient posés, c'est un travail qui est mené, mais parallèlement à cela, vous avez en même temps donc une autre procédure qui est pendante, qui respecte également de manière tout aussi scrupuleuse donc les règles de droit en la matière pour une exploitation qui est aujourd'hui envisagée premier semestre je, je 2019 veux, je vais reposer ma question est-ce que selon vous on peut aujourd'hui ouvrir cette carrière de bois blanc sans qu'elle soit inscrite dans un schéma départemental vous pouvez aujourd'hui on peut aujourd'hui très raisonnablement envisager l'exploitation de cette carrière dans le cadre d'un schéma des carrières qui aura naturellement été revisité. D'accord, donc ça veut dire qu'il faudra de toute façon le refaire et le refaire passer. Mais ça fait partie, et... j'allais presque dire que ça fait partie du quotidien. D'accord, un quotidien qui du coup s'allonge, si, si, si euh, vous permettez. C'est-à-dire que là, on, on, on parle en, 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 en mois, en années de retard On a aujourd'hui, sur, sur la mise en œuvre de ce programme, euh, grâce justement à la récupération des Andins, donc on a réussi jusqu'à maintenant à limiter donc, le, le, le retard. Il y a à peu près un, un an de retard aujourd'hui sur ce programme tel qu'il avait été fixé au départ. Donc maintenant, c'est encore une fois aux techniciens, c'est aux ingénieurs, c'est aux, aux juristes, enfin tous ceux qui ont à connaître finalement de ce dossier, d'amener les solutions aussi qui nous permettent de nous continuer d'être dans un mode qui soit un mode accéléré. N'oublions pas, enfin je n'oublie pas et je ne veux pas qu'on oublie que la principale préoccupation concernant la nouvelle route du littoral, c'est d'abord et avant tout la question de la sécurité. Donc nous devons collectivement, continuer à nous engager pour dégager et trouver les meilleures solutions après qu'il y ait des difficultés à régler. Vous envisagez, envisagez qu'on ne puisse pas finalement trouver ces roches, jamais, et que euh, les ennuis euh, juridiques, euh, environnementaux, fassent que c'est juste pas possible de faire cette digue et qu'il faudrait revoir le chantier et le faire autrement. Euh, je n'envisage pas un seul instant que ce chantier-là ne puisse pas être mené à son terme comme il faut. Et dans les ah, conditions... Donc telles dans, les, dans les conditions pour lesquelles elles ont été fixées. Même, même si la justice dit ben voilà, il y a un problème environnemental, vous devez euh, recommencer, recommencer encore Écoutez, ouais. sur ce dossier, vous ne pouvez peut-être pas suffisamment imaginer toutes les précautions qui ont été prises, notamment sur les questions environnementales, notamment sur, question, non, notamment sur la question du moindre impact environnemental. Nous avons sur un programme comme celui de la Nouvelle Route du Vittoral, plus de 150 mesures uniquement consacrées à à la notion de moindre impact environnemental. Comment faire pour euh, que le, le milieu aquatique, le milieu marin ne soit pas, euh, ne soit pas trop impacté? Comment faire pour que euh, les, la faune marine ou euh, ne soit pas elle-même impactée? Donc, il y a un vrai travail qui a été mené. C'est un travail qui, en plus, coûte énormément puisque nous sommes euh, sur ce chantier à près de 80 millions d'euros d'engagement sur les précautions, justement, environnementales. Jamais Jamais un chantier de cette importance n'aura pris autant en considération cette, cette, cette dimension. Donc, tout est mis en œuvre pour, qu pour que nous soyons dans une démarche qui soit la plus vertueuse possible, la plus exemplaire possible sur la dimension environnementale. Ensuite, qu'il faille au fur et à mesure, parce que la loi change, les textes changent, les euh, recommandations, les préconisations ont évolué également, qu'il faille nous adapter au fur et à mesure, nous le faisons sans aucune difficulté. Après, effectivement, en le faisant, ben, ça décale ça le décale temps. Mais, Fondamentalement, notre objectif, encore une fois, il est double sur ce, sur ce chantier. Faire en sorte que nous puissions le terminer donc dans le timing qui est à peu près fixé. Alors et en, le même timing, temps, le et en même temps, être dans une démarche qui, une démarche qui permette de contenir donc les enveloppes budgétaires telles qu'elles ont été prévues Livraison de la route pour Aujourd'hui, encore une fois, en nous, quoi, 2022, nous, nous visons, 2023. Nous visons le, le, un point de sortie aux alentours de 2021. 2021-2022, ça va être cela donc le, pour, une finalité, pour une finalisation totale. Après, entre aujourd'hui entre aujourd'hui et cet objectif que nous nous fixons d'accord la volonté exprimée par les uns et par les autres aussi bien par le groupement que par l'ensemble des acteurs que j'ai eu cet après-midi autour de la table euh, le maître d'ouvrage nous sommes dans une démarche où nous allons encore une fois rechercher les solutions les plus pertinentes pour nous permettre de raccourcir au maximum ce délai parce que ce que je souhaite ce que je veux c'est que cette route soit rendue aux usagers le plus rapidement possible dans un budget qui restera dans la fourchette initiale, non, on est déjà, dé on est déjà dépassé. Non, on n'a rien dépassé. Est les, les budgets tels qu'ils sont posés aujourd'hui, les mots ont un sens. Donc le budget aujourd'hui. 1,6 milliard les, le, le, les mots ont un sens. Le budget aujourd'hui n'est pas un budget qui est dépassé. Le budget qui a été fixé par la collectivité régionale aujourd'hui, il est connu dès le départ. Nous sommes sur un budget pour lequel donc, il y a eu euh, un, un, un 1,6 milliard d'euros euh, contractualisés. Dans le cadre des appels d'offres, qu'il y a parallèlement à cela, depuis euh, l'année dernière, donc inscrit au budget 250 millions d'euros en autorisation de programme, qui nous permet justement de tenir compte des différents aléas qu'il peut y avoir. Vous le savez très bien, tout le monde ne sait que non mais vous pouvez la rémunération quel sera le dépassement au final. On sait très bien aujourd'hui que le, la récupération des andins, par exemple, coûte plus cher que l'exploitation de, de matériaux issus d'une carrière. Donc, ce sont des éléments. c'est la charge que nous de qui ce, ce, en supplément. ce supplément, il a la charge de la région. Bien, sûr, la bien sûr, des entreprises. Mais non, c'est la charge de la région. C'est la charge de la région aujourd'hui, partagée effectivement avec le, le, le groupement, parce qu'il y a des responsabilités partagées, et notamment sur le niveau d'intervention des uns et des autres. Nous sommes en train aujourd'hui d'avoir de, suffisamment d'experts et d'expertise que les solutions. Vous êtes en train de nous dire dire que, 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 que le fait qu'on aller chercher des Andins plutôt que qu'une qu carrière, ça coûte plus cher et que c'est les Réunionnais qui par leurs impôts vont payer ça. Non, aujourd'hui encore une fois, ce programme lié à la nouvelle route du littoral est un programme, je le dis, exemplaire à plus d'un titre, et notamment sur la question du la question budgétaire. Oui, mais non, mais non, si on va payer ce ma, supplément. Ma réponse vous intéresse peut-être autant que votre question. Donc, si vous me permettez que je termine, donc le, le budget tel qu'il est consacré concernant la nouvelle route du littoral est exemplaire également par la manière dont il a été monté. Vous avez quand même sur un programme d'un peu plus d'un milliard, un milliard six, un milliard sept d'euros. Vous avez une intervention de l'État quasiment à moitié, ce qui a été négocié en 2010. Je mets au défi quiconque aujourd'hui, sur un programme d'investissement, quel qu'il soit, de pouvoir obtenir de l'État, compte tenu des contraintes qui sont celles aujourd'hui du budget, du budget national, d'obtenir autant sur un programme d'intervention, sur un programme d'investissement. Dans le même temps, donc vous avez euh, l'Europe. Dans le même fait. temps, c'est ma réponse. Dans le même temps, vous avez une intervention qui est celle de l'Europe, qui est une intervention qui est une intervention très importante également, à hauteur de 200 millions d'euros. Ça veut dire que sur un programme d'un milliard 700, d'un milliard 800 vous avez près d'un milliard d'euros qui est pris en charge par l'Europe et par l'État. Et la différence, évidemment, que la différence vient et euh, est, est portée euh, par, la, par la collectivité régionale. Mais j'allais dire, mais enfin, c'est quand même un projet, c'est quand même une route qui intéresse en premier lieu et au premier chef, j'y arrive, en, en, qui, correspond, qui intéresse pardon, en premier lieu et au premier chef les Réunionnais. Et c'est peut-être, de mon point de vue normal, que la collectivité régionale puisse être aussi engagée qu'elle l'est sur ce programme. Ce qui ne nous empêche pas, parallèlement à cela, de continuer à investir sur les lycées, on, on, de continuer à on, investir on, sur d'autres programmes d'investissement, voilà, parce le, que cela reste effectivement le cœur du je, moteur je, je de la région que, Réunion. aujourd'hui c'est votre réponse. Oui. Sébastien Lecornu était en visite à la réunion la semaine dernière. Il est secrétaire d'État à la transition écologique. Vous avez échangé sur la transition écologique telle qu'elle se prépare oui. euh, euh, à la réunion. Est-ce que l'État soutient la région dans son objectif d'autonomie énergétique Est-ce que vous vous sentez complètement en phase avec, euh, avec le ministère Est-ce que euh, sur tout, tous vos projets en termes de transition écologique et notamment de transition énergétique, oui. l'État est avec vous la, la réponse très simple est oui. Oui, incontestablement, parce que nous poursuivons aussi bien pour l'État que pour la région aujourd'hui, et avec l'ensemble des acteurs, ou majorité des acteurs locaux, nous poursuivons le même objectif. C'est lequel C'est de faire en sorte que nous arrivions progressivement, pardon, à effacer notre facture ou une partie de notre facture fossile. Nous importons aujourd'hui du fioul, nous importons aujourd'hui du, du pétrole, charbon. nous importons aujourd'hui du charbon, donc qui coûte aujourd'hui effectivement au Réunionnais et qui part en Équi fumée pollue. et qui pollue. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir renverser tout cela. Et sur euh, l'espace d'une quinzaine d'années, c'est de se dire que nous sommes capables, si nous nous donnons les moyens, et c'est ce que nous faisons, d'arriver à ce que nous soyons dans une logique d'autonomie électrique, d'autonomie énergétique. Et en faisant, si vous me permettez, trois choses importantes. Le, le premier, c'est de continuer à investir sur euh, l'hydraulique, donc euh, les barrages tels que Takamaka aujourd'hui, parce que ça représente... Environ l'équivalent aujourd'hui du tiers de notre production d'électricité. Continuez à, à considérer que la biomasse donc, est un élément important et on peut y revenir notamment sur la question du traitement des déchets si vous le souhaitez. Et puis, troisième, troisième sujet euh, qui est peut-être le plus marquant aujourd'hui et qui euh, impacte peut-être le plus les Réunionnais directement, c'est celui du photovoltaïque. Et là, nous avons une vraie ambition pour le territoire, en ce qui concerne le photovoltaïque, c'est de continuer à, à poser des fermes photovoltaïques, mais en même temps, en étant conscient que le foncier est rare, en étant conscient que nous ne pouvons pas et nous ne pourrons pas et nous ne devons pas euh, donc démultiplier les fermes photovoltaïques. Nous nous orientons de plus en plus sur une logique, ce qu'on appelle d'autoconsommation, c'est de permettre euh, à chaque famille, au plus grand nombre de familles possibles, d'avoir sur leur maison, sur leur toit, leur propre Panneaux photovoltaïques et de pouvoir, du même coup, être autonomes, finalement, à titre individuel, donc sur leur, à partir de leur propre production électrique et à partir du solaire. Ça, c'est un projet qui est un projet particulièrement ambitieux. Et sur tous ces aspects que je viens d'évoquer, nous avons évidemment le soutien, l'appui, l'accompagnement de l'État. Sébastien Lecornu, qui était à La Réunion, vous l'avez rappelé, donc la, la semaine dernière, l'a affirmé de manière très, très explicite. Dans le, la consommation énergétique de la Réunion, il y a les voitures Bien sûr. qui consomment beaucoup, on importe beaucoup d'hydrocarbures. Pour ça, euh, les transports en commun sont un peu en panne, on a le sentiment, euh, euh, à la Réunion. Bientôt euh, 10 ans. Euh, que vous êtes euh, arrivé euh, à la région euh, et, et vous aviez parlé euh, des 2000 bus euh, de développer les euh, transports en commun pour faire passer peut-être un petit peu euh, à l'époque l'annulation du tram-train qui, mm -hmm. euh, qui, qui était attendu aujourd'hui on est à 5 6 des rayonnés qui prennent les transports en commun mm -hmm. et, ce, et ceux-là ils le prennent parce qu'ils sont obligés parce qu'ils n'ont pas de voiture mm -hmm. parce qu'ils n'ont pas le permis euh, qu'est-ce qui s'est passé vous avez euh, d'abord un premier élément qu'il faut prendre en compte en ligne de compte qui est celui du changement d'attitude, du changement de mentalité et du changement, effectivement, de la part de l'usager lui-même. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas, d'un coup d'un seul, euh, décréter que chaque réunionnais euh, fait le choix de déposer sa voiture et d'utiliser le transport en commun. Donc il y a un, un une, travail de pédagogie. Il faut, il faut que l'offre soit, soit. Il y a un, un travail, travail de pédagogie euh, qui doit être fait. Il y a une avance qui, qui est posée. Et depuis 2010, vous l'avez rappelé, je vous en remercie, nous avons euh, euh, accentué un travail qui n'avait pas été fait. Je le dis, un travail qui n'avait pas été fait. Et nous, donc, nous avons mis en accéléré finalement tout un ensemble de process pour faire en sorte que nous soyons dans une logique qui soit une logique qui laisse de plus en plus la place au transport en commun. Comparativement aux véhicules individuels, qu'est-ce qui s'est passé sur cette période Nous avons investi, la région de Réunion a investi avec l'Europe, donc euh, près de 350 millions d'euros pour pouvoir réaliser des voies réservées aux transports en commun, des TCSP. Si vous n'avez pas de TCSP, vous avez, ça, veut dire que vous, ça veut dire que vous avez vos véhicules, vos bus, vos cars qui sont euh, dans le flux de circulation normal, et donc il n'y a pour le usagers oui. peu d'intérêt, sinon aucun intérêt à prendre le, le bus. Donc il fallait d'abord commencer par cela. Donc nous avons euh, réussi à réaliser. Là où c'était encore possible, là où on peut encore le faire et là où c'est opportun de le faire, nous avons réalisé donc des voies, des TCSP un peu partout sur l'île. Donc aujourd'hui, qui fonctionne, qui fonctionne mieux. Vous avez dans le même temps un travail de fond qui a été engagé avec les communautés d'agglomération pour pouvoir, là aussi, augmenter progressivement le parc de véhicules. Vous avez, pour la première fois, des, des véhicules à double étage, enfin un étage, qui, sont aujourd qui circulent aujourd'hui, notamment sur, sur saint et il y en aura d'autres. Dans le même temps, et pour pouvoir poursuivre ce travail-là, nous avons euh, enfin euh, réussi à euh, rassembler l'ensemble des acteurs. C'est la première fois depuis de euh, nombreuses années où, enfin, dans le cadre du syndicat mixte de transport, on retrouve l'ensemble des acteurs qui parlent d'une même voix. Le syndicat mixte qui, qui se semble se un en panne, si je peux me permettre. Non, personne n'est en panne. Les gens avancent, les gens travaillent co co confortablement aujourd'hui. Il, euh, il faut savoir faire la différence entre l'écume des vagues et le fond. Sur le fond, aujourd'hui, l'ensemble des acteurs région, département, communauté d'agglos, euh, avec, avec les, 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 les transporteurs, le secteur privé. Donc tout le monde travaille aujourd'hui pour améliorer progressivement le dispositif. Toujours dans le, même, dans le même mouvement, si vous me permettez encore quelques mots là-dessus. Dans le même mouvement, nous avons défini donc enfin un, le réseau régional de transport guidé à la Réunion. Donc nous savons aujourd'hui où investir, où aller et comment le faire. Et vous le savez, les Réunionnais le savent, qu'il y a euh, deux projets. De, de monorail aujourd'hui. Un qui nous permettrait de desservir euh, donc la, la zone entre Sainte-Marie et, euh, et, euh, et Saint-Denis, au niveau du, du pont Vinsane. Le deuxième qui serait dans le sud cette fois, autour de l'aéroport de Pierrefonds, donc entre Saint-Louis. Et, euh, et Saint Pierre. donc ce sont des projets qui, aujourd'hui, font l'objet d'études approfondies, qui nous permettent d'avancer. Nous sommes à un moment où nous, euh, nous, nous essayons de dégager les moyens financiers sur Saint, sur, euh, non, euh, sur Saint Denis par exemple nous travaillons sur Saint par exemple, nous travaillons avec la SINOR, avec le président de, de, de la SINOR, pour voir comment est ce que nous arrivons à rendre cohérent le projet de téléphérique. Que la région soutient, et euh, le projet de, de, de déplacement de monorail, donc euh, encore une fois, entre l'aéroport, entre, entre Sainte-Marie et Saint-Denis. Donc, il y a en chantier aujourd'hui, qu'il y a en chantier aujourd'hui, toute une série. De, de dossiers sur lesquels nous travaillons, sur lesquels nous avançons, pour que nous arrivions progressivement à proposer, et vous avez raison de le souligner, une offre transport en commun qui soit la plus pertinente possible. Et c'est lorsque nous aurons réussi cela qu'on on aura euh, un moment donc, la possibilité de, de faire en sorte que, les, que Réunionnais, les, les Réunionnais utilisent moins le véhicule pour plus de transport en commun. À quelle échéance c'est un travail de longue haleine. Euh, le Dantin, vous le savez très bien. On ne va pas encore une fois claquer des doigts et dire que euh, tout va se passer du mieux du monde. Nous partons de très loin. Nous partons de très loin. Donc il n'y a pas pour l'instant okay. de, de calendrier sur ce. Sur, sur ce dossier. Sur la question des déchets, euh, vous nous aviez expliqué lors des voeux à la presse euh, il y a quelques mois que vous ne vouliez plus des UVE, ces incinérateurs pourtant prévus pour faire de l'énergie euh, à partir des déchets. Il y a un projet dans le sud, un autre dans le, dans le, dans le, dans le nord euh, et, et l'est. Vous en êtes où, du coup, avec le plan régional d'élimination des déchets qui doit euh, euh, inclure tout ça C'est un dossier extrêmement sensible. Accordez-moi quelques, quelques minutes, s'il ouais. vous plaît. Mais quelques minutes, pas, pas, pas toute l'émission. <laughs> si vous ne m'interrompez pas, je pense qu'on peut y arriver. Donc, accordez-moi quelques minutes pour que je puisse, sur ce sujet-là, qui, encore une fois, est, comme d'autres, mais en particulier celui-ci, euh, extrêmement sensible. Quelle est l'alternative Quels sont les choix qui se posent aujourd'hui au Rayonnais? C'est, d'une part, construire une, voire deux unités de valorisation, deux incinérateurs supplémentaires à la Réunion. Et donc euh, investir 500, 600 millions d'euros pour deux usines, euh, au sein desquelles on aura, euh, en tout et pour tout, une quarantaine, une cinquantaine, allez au maximum, une centaine d'emplois. Ça, c'est un choix. Et donc, c'est ce qui a déjà été fait par les, par les deux syndicats. Euh... Vous m'avez promis de ne pas m'interrompre. Non, mais je vous, donc... je, si, je vous interromps <laughs> si je veux. <laughs> non, je vais vous poser des questions, et, et, et parce qu'on est là pour ça. <laughs> euh, c est des, on est bien d'accord, ces deux projets sont déjà lancés par les, les syndicats euh, euh, Sydney je, euh, je, et je Il y a ce choix là qui, qui peut être posé. Donc, de, de création d'incinérateurs supplémentaires à la Réunion pour pouvoir brûler les déchets. Et avec un impact, je le dis, en termes d'emploi qui est, somme toute, très modeste. Et puis, il y a un deuxième choix qui peut être fait. Compte tenu, justement, des préconisations de, de, de l'Europe, compte tenu des préconisations nationales, de se dire qu'on peut, aujourd'hui, traiter nos déchets différemment. Et donc, l'objectif que je voudrais partager avec les Réunionnais, c'est de leur dire donc on va vers un objectif zéro déchet. Ça veut dire qu'on trie davantage. Et si on trie davantage, ça veut dire que les rayonnés pourront en tirer bénéfice également. Et donc, voir si à quel moment on ne peut pas faire évoluer la taxe d'ordure ménagère et considérer que s'il si, euh, y a moins de déchets amené jusqu'aux jusqu poubelles, à ce moment-là, la taxe hors du ménagère qui est payée par l'usager sera diminuée d'autant. Donc il y a un, un vrai travail à mener avec chaque usager, chaque famille, pour pouvoir effectivement mieux trier. Ça, c'est une première phase. La deuxième phase, c'est de considérer ensuite que le déchet n'est pas, euh, pas sale, mais au contraire, que le déchet est valorisable, que le déchet peut nous rapporter en termes d'activité, en termes d'emploi. Et donc de créer réellement, concrètement et sérieusement. Ce que nous n'avons pas fait jusqu'à maintenant, pas suffisamment en tout cas, donc de créer des filières de valorisation. Une filière sur le textile, une filière sur le verre, une filière sur le, le, le plastique, une filière sur. Et faire en sorte que chacune de ces filières nous permette d'accompagner les entreprises, et donc d'accompagner les entreprises vers l'activité et vers l'emploi. Ça, c'est un chemin qui est, est un chemin inconsumablement plus intéressant en termes d'impact pour le territoire sur l'activité économique et sur l'emploi. Et puis, une fois qu'on a fait cela, il restera une partie de déchets qu'il faudra effectivement euh, euh, brûler. Mais c'est ce, -ce, ce que proposent déjà ces UVE non, 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 la différence fondamentale, c'est que si vous faites immédiatement des UVE, sans avoir euh, au préalable travaillé sur la question du tri, sans avoir au préalable construit les filières, vous aurez un volume de déchets à brûler qui va être l'équivalent de ce que l'on a aujourd'hui. L'incinération de ces déchets, ah, je... dans votre projet, dans votre idée, ça pourrait être en accord avec Albioma Aujourd'hui, si aujourd il faut bien que les réunions le sachent aussi. Vous avez déjà des incinérateurs. Nous avons déjà des chaudières. Vous avez cité Albioma. Albioma, aujourd'hui, euh, gère à la réunion six chaudières. En brûlant quoi Du charbon. Nous importons chaque année. Ou de la bagasse. Nous importons chaque année l'équivalent de 225 000 tonnes de charbon pour pouvoir faire trôner ces chaudières. Ce que je propose, c'est qu'effectivement, il puisse y avoir des discussions ouvertes. Dans le cadre de la loi, dans le cadre du respect de la loi, bien évidemment, mais qu'il puisse y avoir des discussions ouvertes avec cette entreprise pour voir dans quelle mesure les déchets qui resteraient ne pourraient pas être incinérés, brûlés dans ces chaudières. Ce qui nous éviterait, encore une fois, d'avoir à construire des chaudières supplémentaires qui existent déjà sur le territoire. Comme intermède musical, vous avez choisi Didier Robert, Marie Sangalane de Jean-Marie Barré. On l'écoute et vous expliquer après.

les causes balisantes, un pouce en t'aimant mais allé donne un coup bourrant. La vie veille à l'innover, m'la pas dématé. Sauf côté d'où Marie, ne s'allonge mon bon Dieu. Mon bouquet fleur ti t'y vas pas ton, n'achète pas Nous détruis ensemble, on peut vivre sans. T'y vas pas ton, Marie s'allonge pas, Marie Marie, voilà oh moi pas bon. Miguet dans ton g. Comment tu t'es la vie, couleur pleine tout rangée, m'pousade m'a mourir, misette mon conque à Pau, tu salangai, tu que tu es pas isé, m'oubou Mon bouc tu ba 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 na chifi nous étions ensemble. Jean-Marie Barré, choisi par notre invité Didier Robert, en quelques mots. Oui, quelques mots rapidement. Je trouve que c'est un, un vrai talent, c'est une vraie richesse. C'est une, c'est une vraie poésie également qui est posée par par, par, par Marie Barré. et puis ce texte en particulier. Donc pour pour, pour sa fille, je trouve qu'il est voilà il est très beau à, à, à plein de d'égards. Donc voilà, ça fait partie des, de cette génération de d'artistes réunionnais engagés qui portent haut et de, et de très belle manière, je trouve la la, la, la voix de, de cette Réunion plurielle et, et mélangée on va revenir à la politique si vous voulez bien si si vous voulez. et avec euh, euh, des questions plus peut-être justement plus politique et plus politicienne euh, est-ce que vous vous sentez proche aujourd'hui de la ligne défendue par la République en marche on rappelle que vous avez quitté euh, les républicains euh, euh, il y a maintenant quelques mois vous avez euh, signifié de manière très claire une rupture avec le représentant local euh, Michel Fontaine avec la politique aussi défendue par Laurent Vauquier au niveau national euh, aujourd'hui vous vous sentez proche d'un par exemple Sébastien Lecornu euh, qui a, qui a été euh, républicain avec vous a, vous avez été ensemble à vous avez fait ensemble la campagne de François Fillon. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est finalement une tendance, la tendance droite du gouvernement Macron dans laquelle vous, vous reconnaissez si, si la question est de savoir si je me sens assez éloigné aujourd'hui d'une ligne politique défendue par Laurent Vauquier, la réponse est oui. Est que, et quand je cherche quelle est cette ligne politique, est-ce que les républicains au niveau national et au niveau local essaient d'apporter ou peuvent apporter au débat et, 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 à la, et au programme donc de développement à réunion je, je trouve que voilà, on, on en est vraiment très loin. Donc, à l'inverse, il y a aujourd'hui, euh, non pas euh, En Marche, nécessairement, je ne suis pas dans une logique, vous l'avez mentionné dans votre dans, dans mention, donc Macron-compatible, je ne sais pas si ça, ça, ça a du sens. Je, je ne suis pas dans une logique euh, ni d'adhérer euh, au, au mouvement En Marche, etc. Non, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est quoi C'est la défense de mon île, c'est la défense du territoire, c'est la défense de la Réunion, c'est la défense des Réunionnaises et des Réunionnais. Et donc pour cela, est-ce que nous arrivons aujourd'hui, est-ce que j'arrive aujourd'hui, euh, avec euh, notre équipe, est-ce que nous arrivons à nous faire entendre sur les sujets qui sont les sujets majeurs il y a des points. Alors attendez, je vais poser oui, ma je, question je, autrement, je, 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 si, si vous voulez bien, parce que je sens que sinon vous n'allez pas y répondre. Est-ce que vous êtes euh, en accord avec la politique menée par Édouard euh, Philippe et Emmanuel Macron en ce moment C'est ce à quoi j'allais vous répondre. Donc il, il y a dehors, des points... En dehors de, 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 de la réunion, de manière générale, est-ce que la, cette politique vous convient Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est la réunion. Si les euh, si Réunionnais m'ont fait confiance et pour que je sois euh, donc le, le président du conseil régional avec toute une équipe aujourd'hui, c'est pour défendre la Réunion. Pour la Réunion est dans un, la France. Il euh, y a une politique nationale qui est menée. Je, on, peut, on peut en dire un mot. Permettez-moi juste d'abord d'accentuer mon propos sur euh, la politique qui concerne les Outre-mer et qui concerne la Réunion en particulier. Il y a des points de difficulté et des points de sensibilité pour lesquels je trouve que le gouvernement n'a pas su apporter les bonnes réponses. En ce qui concerne par exemple les emplois aidés. Moi, je fais partie de ceux qui considèrent que, notamment, euh, tout le dispositif des associations d'emploi vert, donc, aurait, a permis, pendant, de, pendant ces dernières années, euh, d'apporter une vraie plus-value au territoire. On, on peut poser la question, et la question se pose aujourd'hui, euh, du développement de, 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 de la dingue, donc de, de la place. Effectivement, c'est en amont qu'il faut prendre tout cela. Donc, si on a un travail qui est fait, donc, de, de, de valorisation du, du, des sites, de nettoyage des sites, tout simplement, donc, on peut effectivement être dans une logique qui est plus vertueuse pour la Réunion. Donc, je regrette, effectivement, que sur les emplois aidés, nous n'ayons pas été mieux entendus, mieux écoutés, mieux entendus pour pouvoir effectivement continuer à, à, à faire en sorte qu'il y ait un, un, un nombre d'emplois possibles et disponibles pour le, le plus grand nombre. Euh, sur la question par exemple aussi de l'accession euh, euh, au logement, propriété-logement, le gouvernement n'a pas répondu de manière très suffisamment positive aussi. Moi je veux que les réunions soient propriétaires de leur case, je veux qu'on puisse les accompagner le plus possible pour qu'ils deviennent propriétaires. Donc il y a des sujets j'en ai cité deux, qui sont des sujets qui, pour moi, voilà, posent vrai, véritablement problème. Mais parallèlement à cela, il y a aussi, on est dans un vrai moment, dans un vrai moment politique, au sens fort du terme. Il y a les assises de l'Outre-mer, le Président de la République, le Premier ministre, le, la ministre de l'Outre-mer, donc annonceront un certain nombre de mesures, un certain nombre de propositions, donc, dans le cadre de ce qu'ils ont appelé le livre bleu donc des, des Outre-mer. Et, et puis vous avez en même temps la réforme constitutionnelle. Bien sûr, la, la, la proposition, les propositions qui sont aujourd'hui formulées pour avoir effectué quelques raisons de travail avec, euh, avec les membres du gouvernement, donc les propositions qui sont formulées sont de mon point de vue extrêmement intéressantes pour la Réunion. Et qui peuvent nous permettre de franchir un pas significatif. Qu'est-ce que je veux dire à par là Je veux dire qu'en matière d'expérimentation. Attendez, on va, on va venir à cette question-là dans un instant, mais je voudrais que vous répondiez à ma question précédente. Qui Est-ce est que vous vous sentez en phase avec la politique globalement qui est menée par Emmanuel Macron depuis le début de son mandat euh, euh, Voilà, est-ce que, euh, est -ce que, euh, est -ce que cette idée de premier de cordée, est-ce que cette idée de réduction de l'impôt sur la fortune, est-ce que cette idée de favoriser euh, un peu plus de souplesse dans le monde du travail, est-ce que c'est des choses qui finalement vous conviennent, auxquelles vous adhérez alors, on a le droit de savoir qui vous, ce que vous pensez Oui, bien, Robert, euh... bien sûr. Bien sûr. Aujourd'hui, sur la politique économique qui est posée au niveau national, qui est celle d'un meilleur accompagnement des entreprises, qui est celle de plus de souplesse donnée aux entreprises, est-ce que j'adhère à cela La réponse est oui. Je dis, et je défends la même chose pour la Réunion, depuis des, depuis des années, je dis qu'il faut mieux accompagner les entreprises. Et c'est ce que j'essayais de vous expliquer en vous disant que, euh, sur la question de la fiscalité, par exemple, d'accord, si le gouvernement, demain, abonde dans le sens... Qui est celui de diminuer la fiscalité des entreprises réunionnaises, notamment les petites entreprises. Si euh, les propositions du gouvernement vont dans le sens d'une euh, prise en compte et d'une diminution des charges sociales pour les entreprises, si les propositions du gouvernement vont dans le sens euh, d'un aménagement du territoire qui tienne compte justement de, euh, la, du besoin que nous avons de créer des zones d'activité, de, de permettre aux entreprises de s'installer, de permettre à, 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 des, à, de, à de nouveaux euh, complexes hôteliers demain de pouvoir voir le jour, si c'est Propositions vont dans ce sens, mais je ne peux qu'applaudir parce que cela correspond Là, vous êtes en train de dire que vous voulez plus d'autonomie. Je suis en train de dire qu'il faut évidemment plus d'émancipation, une, une décentralisation plus marquée. L'autonomie, ce n'est pas un mot qui vous perturbe. Non, le, qui le mot autonomie ne, ne me perturbe pas. Euh, je veux simplement qu'il n'ait pas de connotation politicienne. À partir du moment où on parle d'autonomie fiscale. Mais ça, parle... Une, ça, 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 ça a une connotation politique euh, de, vouloir, de pouvoir décider localement d'un certain nombre de choses. Mais, euh, mais je crois que ça peut s'appeler l'autonomie sans que ça évidemment, soit. Évidemment que je plaide pour ça. Évidemment é, 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 que je plaide pour Est-ce que pour ça, il faut revoir l'amendement vira Parce que le temps passe vite. La, la question de revoir ou pas l'amendement Virapoulet est un faux débat. Alors non, Je... euh, voilà, la question, elle est dans la réforme constitutionnelle. Cette, la réforme... Cet article va être réécrit. Oui. Est-ce que euh, vous êtes pour, j'imagine, comme Jean-Paul Virapoulet et comme la plupart euh, euh, des parlementaires, que les notions de département de régions figurent, oui, hein, est très clairement Est-ce est que vous êtes pour qu'il y ait une possibilité d'adaptation euh, locale mm -hmm. En ce qui concerne, je réponds oui aux deux questions. Je réponds oui aux deux questions. Troisième, attendez. Est-ce que vous êtes pour une adaptation possible des lois dans les domaines du département et de la région, mais également dans les autres domaines Parce que c'est là que la différence se fait avec Jean-Paul fait, J'y arrive. Sur la question de savoir est-ce qu'il faut changer l'organisation administrative, est-ce qu'il faut une assemblée unique, est-ce qu'il faut aujourd'hui poser le débat là-dessus. Ma réponse est non. Aujourd'hui, il y a un département, il y a une région, il y a des intercommunalités, il y a des communes. Travaillons avec les outils que nous avons aujourd'hui et ne perdons pas notre temps sur une organisation politique, une nouvelle organisation politique. La question, la question est économique, la question est sociale, la question est celle du développement des entreprises et la question est celle de l'emploi. Donc, je ne veux pas qu'on perde notre temps et donc, la proposition du gouvernement de maintenir un département et une région me convient très bien. La proposition du gouvernement, toujours, de pouvoir permettre aux collectivités locales, sur les champs de compétences qui sont les nôtres, de pouvoir intervenir, d'avoir plus d'autonomie de faire des propositions qui peuvent être écoutées, bien sûr que cela me convient parfaitement sur la question d'aménagement du territoire, sur la question de la coopération, sur la question euh, donc économique de manière générale, oui, on peut y aller. Et en dehors du champ de compétences. Et en dehors du champ de compétences, eh bien je, je lance ce soir à ceux qui souhaitent nous proposer d'aller sur des champs de compétences qui ne seraient pas les nôtres, de me dire, de nous dire, de dire aux Réunionnais de manière claire, qu'est ce qu'ils attendent, est ce qu'ils veulent changer? localement les lois les textes sur les libertés publiques est-ce que l'on veut changer localement le droit électoral est-ce que l'on veut ch localement changer la question de l'état civil dans ce cas-là ça n'est plus une question d'autonomie mais on flirte avec bien d'autres sujets et donc quand je fais quand nous faisons l'analyse aujourd'hui le gouvernement va très loin en matière d'expérimentation en matière d'émancipation va très loin sur la possibilité que nous offre aujourd'hui le, 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 la Constitution, si elle a été votée en l'État, nous, que, aller très loin sur l'adaptation, mais des adaptations encore une fois, qui sont utiles, qui ne nous éloignent pas, pas trop en tout cas, de la métropole. Moi, je suis français, européen, profondément réunionnais, c'est ce que je, je, je défends avec Objectif Réunion. Donc, c'est cette ligne politique-là qui est la mienne. Je pense qu'elle est partagée par la très large majorité des Réunionnais, par Jean qui sont aujourd'hui français, européens, profondément Réunionnais. Il y a un pas que nous ne souhaitons pas franchir. Et donc, je pose la question. Est-ce qu'avec Jean-Paul Girapoulé, vous, vous êtes en, en phase Nous sommes parfaitement en phase sur cette question. Parce que nous défendons encore une fois cette même ligne politique français, Européens, Réunionnais de l'océan Indien. Donc, ce que je pose encore une fois comme débat, pour ceux qui veulent remettre en question l'amendement Girapoulé, sauf si c'était sauf si c'est un débat purement politicien, faire descendre des gens dans la rue, se taper dessus juste pour voir comment ça va se passer. Sinon, sur le fond, j'aimerais que ces acteurs-là, que ces parlementaires-là, nous disent clairement ce qu'ils attendent, quelles sont les lois qu'ils veulent voir être prises à la Réunion et qu'ils ne le sauraient pas au niveau national. Et je termine, si vous me permettez, sur la fiscalité. Ça, ça m'intéresse. Fiscalité sur les entreprises sur la coopération régionale, l'internationalisation des entreprises, sur la question de l'aménagement du territoire, sur la question des normes, la proposition du gouvernement nous permet très facilement D'aborder ces différents sujets. Ce qui n'était pas possible jusqu'à maintenant Ce qui n'était pas possible jusqu'à maintenant. Donc, tout il, fait. donc il y, y a bien une modification. Bien sûr y a une évolution. tout l'amendement Virapoulé. Non, la, la, modification, avec cette modification la modification se trouve aujourd'hui, non pas dans l'article, si on rentre dans le détail des choses. La modification qui est proposée n'est pas dans le cadre de l'article 73, mais dans le cadre de l'article 72. L'article 72 de la Constitution concerne toutes les régions, y compris les régions métropolitaines, qui vont pouvoir aller beaucoup plus loin. En matière de décentralisation, d'autonomie, comme vous l'aviez fixé, selon la propre volonté, à partir du moment où il y a un accord avec le gouvernement. Et donc, c'est ce cadre-là qui m'intéresse. C'est l'article 72, combiné avec l'article treize, qui permet encore une fois aujourd'hui d'atteindre des objectifs. Non pas des objectifs purement de politique politicienne, mais des objectifs de fond qui amènent à un meilleur développement pour la Réunion. On arrive en toute fin d'émission. Juste une question sur votre avenir politique. Est-ce qu'en 2021, vous serez de nouveau candidat Nous sommes très loin de 2021. Mon objectif aujourd'hui... Oui, oui, on est loin, mais... Mon objectif, non, non, clairement, mon objectif aujourd'hui, je n'évite pas la question. Mon objectif aujourd'hui, c'est de rassembler. De rassembler le plus largement possible. De considérer qu'il y a aujourd'hui, et je le pense sincèrement, une force populaire réunionnaise. Je suis en campagne et je suis sur le terrain depuis, euh, depuis le début de cette année. Donc, Vos alliés aujourd'hui, c'est qui Mes principaux alliés, ce sont d'abord les Réunionnais. Ah oui, bien sûr.